Bonsoir, bonsoir et encore bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus à ce webinaire dans lequel nous parlerons de la technologie de transport à cordes. Et bien évidemment, c'est encore moi, Donatien Gérard, investisseur dans le projet depuis 2018. Aujourd'hui, nous parlerons des dernières nouvelles du projet, ok. Nous commencerons par les dernières nouvelles du projet. Nous verrons quels sont les facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous aborderons les problèmes, les risques et les problèmes de sécurité des systèmes de transport actuels. Nous parlerons des possibilités et des perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport, donc U-Sky. Et je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Qu'est-ce que Skyworld Community vous offre? Nous le verrons par la suite. Et nous verrons aussi les avantages, perspectives et bénéfices que vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Eh bien, tout d'abord, les dernières nouvelles hot du projet. Vous savez que dans ce projet, nous avons des nouvelles chaque jour, de plus en plus encourageantes, et qui nous amènent à comprendre que effectivement, nous sommes en plein dans la révolution des transports. Comment s'est déroulée donc la visite de la direction de Frosher Sensor Technology au centre de test à Sharjah? Le centre de test de la technologie à cordes à Sharjah a été visité par des représentants de la haute direction de la société Frosher Sensor Technology. C'est une société avec des projets dans plus de 140 pays qui se consacrent au développement de l'innovation dans l'industrie ferroviaire à travers le monde. Les invités ont assisté à la présentation de la technologie, ont examiné le modèle de la ville linéaire et ont appris les principaux avantages du transport à cordes. Une sécurité élevée pour les passagers, un faible coût de construction et la possibilité d'intégration dans toutes les infrastructures. Les délégués ont également montré l'invention principale du fondateur du projet Anatoly Nitsky-Lorai à cordes. Cet élément combine les propriétés d'un câble souple et d'une poutre rigide, ce qui lui permet de supporter des transports lourds avec un encombrement minimum de la structure. En outre, les invités ont visité le pavillon où l'on montre un modèle à grande vitesse de transport, comme vous pouvez le voir cette image, pour le transport à cordes, qui peut accélérer jusqu'à 500 km par heure sur les routes interurbaines et internationales. Après cela, les délégués se sont rendus à la salle de contrôle où ils se sont familiarisés avec le logiciel de pointe développé spécifiquement pour la gestion du transport à cordes et bien sûr pour tester la technologie dans la pratique. Les représentants de Frosher Sensor Technology ont effectué un voyage d'essai sur un IGA tropical certifié. Inspiré par cette visite passionnante, les délégués ont remercié l'équipe du projet et aux Émirats arabes unis et ont exprimé le désir d'établir une
coopération étroite avec la société à l'avenir. De très bonnes nouvelles. The Route and Traffic Expo Middle East. Usky Transport FZE et Uniski String Technologies participeront à The Route and Traffic Expo Middle East qui se tiendra les 17 et 18 mai au Centre national des expositions d'Abu Dhabi en partenariat avec le ministère de l'énergie et des infrastructures et le ministère de la culture et du tourisme. Road and Traffic Expo ME Middle East est intentionnellement conçu pour inspirer et encourager l'échange de connaissances et présenter des fournisseurs de solutions perturbatrices qui promettent une excellence et une livraison d'infrastructures de classe mondiale. Vous voyez que ce n'est pas une petite réunion ou un petit sommet. Les kits d'entreprise Skywalk Community sont à nouveau disponibles à la commande. Donc, vous pouvez passer des commandes pour obtenir ces kits que vous voyez là. Nous sommes heureux d'annoncer que vous pouvez à nouveau commander des kits d'entreprise Skyworld Community dans la boutique de votre back-office. Le contenu et les conditions d'achat des kits ont changé. Le nombre minimum de commandes est passé de 3 à 5. Le prix des kits a diminué. $25 pour un grand kit, $20 pour un petit kit. Au lieu d'un signet, le kit comprend maintenant 5 brochures sur le projet. Eh bien, nous parlons donc de transport à cordes, de technologie U-Sky. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit ici d'une solution innovante aux problèmes modernes de transport urbain et interurbain de marchandises et à grande vitesse. Un projet international qui se développe véritablement en Biélorussie et aux Émirats arabes unis, donnant la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. Eh bien, pour une petite histoire, en 1914, l'usine de confiserie russe Eniem produit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi qu'il a représenté le monde dans un avenir proche. Il y a là une escatade ajourée avec un wagon suspendu. Dans l'illustration suivante, les voitures et les tramways entrent en collision. Les gens courent, essayant de ne pas tomber sous les roues. Et dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste. Cette situation que vous voyez, vous êtes déjà familière, pas seulement sur les images. C'est notre monde, c'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne, à savoir le trafic dense des routes et ainsi que le manque de sécurité qui cause ainsi la mort des personnes. En construisant des routes, l'homme envahit la nature et elle vit sa vie et essaie de résister à l'homme tant bien que mal. L'homme reste persévérant, tellement insistant, qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui, c'est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister, plus du tout. Le prochain problème majeur de notre époque, c'est la pollution de l'environnement. Il faut noter que le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir de combustibles fossiles et polluent également l'environnement. L'un des moyens donc de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Donc, le quatrième défi est celui de réduire la consommation d'énergie.
Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières et les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de matériel restent évidents. Les tentatives de construire une route en l'envers ont été faites, comme au siècle dernier, en Allemagne. Et de nos jours, avec des roues sur le toit, diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le toit, occupé sur le sol autant pour moi, mais c'est la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles, mais pour une raison quelconque, personne n'a jusqu'à présent combiné ces deux technologies, le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez donc pour ces enfants qui traversent la rivière pour leur simple roue rouleau par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Il ne faut bien évidemment pas le confondre, ce système de transport avec le téléphérique ou le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur moteur, ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol et le funiculaire sur le flanc de la montagne. Le transport que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Avant de continuer, qu'est-ce que YouSky? Okay, il s'agit d'une infrastructure à cordes constituée de villes linéaires, écomaisons et ports maritimes. La mise en place du système de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet YouSky. Plus les pistes à cordes apparaissent dans le monde, plus le besoin de changer l'infrastructure des villes et des zones suburbaines est grand. Avec l'introduction du transport YouSky, il sera de moins en moins nécessaire de couper les forêts, de construire des routes et des voies ferrées et d'utiliser d'autres méthodes similaires, détruisant les écosystèmes dans la zone de développement. Sur cette base, l'infrastructure des nouvelles villes et formations changera, ce qui sera plus facile à intégrer dans le paysage naturel existant. À ces fins, YouSky dispose déjà de plusieurs solutions plus ou moins sophistiquées. Ici, voici une image d'une écomaison. Okay, c'est vrai, c'est une image en 3D, mais cette écomaison existe déjà bel et bien à l'Écotechnoparc en Biélorussie et aussi à Sharjah, aux Émirats arabes unis, dans le centre de recherche et d'innovation technologique. Ici, c'est une autre perspective de ville linéaire. Eh bien, nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Donc, nous fixons le problème ici qui consiste, bien évidemment, à se déplacer d'un point A à un point B de la surface de la Terre de façon confortable et convenable. C'est ça le problème. Et selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore. On peut donc voir tout cela sur cette image. Créer ensuite une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et seulement alors, à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant pour éviter les travaux de terrassement ou la destruction de l'habitat des animaux et des plantes. Il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant donc un pont. Rappelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, okay, on pose plutôt le câble. Les supports lourds n'étant donc pas nécessaires en ce moment, on les remplace par des supports légers et ensuite on va tirer le câble et fixer ses extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevant ensuite les supports qui n'étaient pas du tout nécessaires et nous plaçons, okay, nous entourons notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons une structure de rail
unique ainsi. Voici, c'est ainsi que cette structure ressemble à la section et la composition et les propriétés sont sur le schéma. On a le corps du rail, la rampeuse, les cordes et la tête du rail. La variante de structure de rail à cordes, la tête du rail plate et la roue cylindrique en acier garantissent une consommation d'énergie minimale pour le mouvement. Le rail à cordes combine les propriétés d'un câble souple et d'une grande portée entre supports et d'une poutre rigide sur une petite portée. Sous la roue, un autorail électrique est au-dessus et au-dessus du support. Sur cette base, donc, il est possible de créer trois types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Structure de trajet rigide, qui peut pousser sa vitesse entre 100 et 500 km par heure, semi-rigide, entre 50 et 250 km par heure, et une structure de trajet flexible, entre 30 et 150 km par heure. Regardez ici les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ceci, c'est un photomontage qui montre des aubans supportant le vrai pont. Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure de trajet à cordes. En passant dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Et ceci, ce n'est plus du tout un photomontage, mais une vraie photo prise en octobre dernier dans le Centre de recherche et d'innovation technologique à Sharjah. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rails à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence de pilote et le passage au contrôle automatique éliminent l'influence du facteur humain. Et bien sûr, la conception a un système anti-déraillement spécial. Il est possible donc de réduire la charge de la structure du trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser ainsi la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons aux photos déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci, c'est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique. Allez, lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation d'énergie de celle-ci. Sur le transport de second niveau, les fils d'aide au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles, ce qui lui vaut à cet unibus à grande vitesse un coefficient de traînée près de 10 fois inférieur à celui d'une voiture conventionnelle moderne. Voici l'appareil qui vient d'être présenté précédemment sur le schéma en grandeur nature. Et cet appareil peut permettre, pour des raisons, d'aérodynamisme, d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an, ce qui est énorme. Maintenant, donc, avant de continuer, rappelons les différents problèmes liés au transport moderne, à savoir la surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Dans ce diagramme, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport à cordes que U-Sky offre est peint en vert. Il est donc clair que le transport à cordes a la solution la plus optimale en termes de coût du capital, coût des opérations, niveau de consommation d'énergie, capacité, taux d'accident de transport et
pollution de l'environnement. Le graphique ci-contre montre clairement l'avantage du transport à cordes par rapport aux autres systèmes de transport. Et voici une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et même projetés. Donc, nous pouvons dire que le transport jusqu'à est un transport léger, rapide, écologique et économique. Comment donc participer à ce projet qui est déjà en train d'entrer sur le marché mondial du transport depuis le début de cette année? Eh bien, vous pouvez déjà commencer par vous retourner vers celui qui vous a parlé de ce projet et il vous aidera dans ce processus-là. Tout le monde peut investir. L'entreprise propose des investissements pour tout budget à partir de 50 dollars. Un plan de versement pratique aussi est mis sur pied et divisé le paiement de package d'investissement par 5 mois. Aujourd'hui, il y a plus de 400 000 investisseurs répartis dans plus de 200 pays partout dans le monde. Les perspectives d'investissement, qu'est-ce que vous aurez en retour si vous participez aujourd'hui à ce projet? Eh bien, des dividendes. En cas de mise en œuvre réussie, eh bien, le projet est déjà en train d'entrer sur le marché. Donc, c'est déjà réussi. Vous recevrez des dividendes de la part des bénéfices des projets de l'entreprise. Le rachat d'actions. Eh bien, la société peut décider de racheter l'action de tous ses investisseurs en octobre 2018, ceux qui vous le vendent, bien sûr. Elle a déjà fait pour les 5 000 premiers investisseurs qui ont eu la possibilité de revendre leur action un montant là jusqu'à 10 fois le montant qu'ils avaient investi, un bénéfice. L'héritage. Les actions que vous avez sont votre propriété. Vous pourrez les transmettre à vos enfants et petits-enfants en héritage. La vente d'actions. La valeur actuelle des actions est bien inférieure à sa valeur nominale. Et en cas de décision de la société de participer à l'échange public, entrer sur le marché boursier, vous pourrez bénéficier de la hausse de la valeur de vos actions sur ce marché-là et pour pouvoir vous faire des gains. L'auteur du projet, c'est ce monsieur, OK, Anatoly Edouardovitch Yunitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Il est auteur de plus de 150 inventions, 20 monographies et 200 articles scientifiques. Membre de la Fédération de navigation cosmique et de l'URSS et président du conseil d'administration du groupe international de sociétés UST. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur son site uniski.ingénieur. Il y a aussi beaucoup de matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien, bien détaillés. OK. Actuellement, cette mode de transport pour les passagers ont été développés déjà. On peut le voir ici. Et ici, sur ces images, vous pouvez voir quelques modes de transport pour les. C'est quelques solutions complexes pour le transport de fret et de passagers. OK. Et ici, on peut voir quatre modèles de transport pour les marchandises aussi qui ont été développés. Unitrans et Unicant. Le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus du sol et au-dessus des routes sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre donc facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles pour le transport à cordes. Il n'est donc pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Ayant ses propres supports, il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à 18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré beaucoup d'attention. Ces photos que vous voyez ici ont été prises à Berlin en 2018 lors de l'exposition InnoTrans. Notez la photo en haut à gauche. On voit bien les employés du stand de téléphérique qui regardent tous en position en direction du Skyway. Et bien sûr, il est impossible de passer devant une forme futuriste inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes,
doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le transport accorde à passer les tests peuvent être facilement trouvés sur leur site. La technologie de transport Accord a obtenu plus de 83 brevets dans 18 pays, des États-Unis à la Chine. Plusieurs certificats et récompenses également. Et ici, sur cette diapositive, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur le site uniski.ingénieur. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque. Pour ce faire, donc, la société Uniski 5 Technologies a été créée à Minsk, en République de Biélorussie. Et depuis 2019, la société emploie plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de plus de 80 départements et bureaux d'études. La société de bureaux et de production couvre une superficie de plus de 10 000 mètres carrés dans sa propre production. Il y a 11 machines complexes qui ont été développées, conçues et fabriquées pour le transport de marchandises et de passagers urbains et interurbains à grande vitesse et à hyper vitesse. Suspendu et monté d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes. 4 autres modèles, y compris dans la version tropicale, sont en cours d'exécution. L'argent des investisseurs a permis de construire un éco-technoparc que voici dans la ville de Minsk, en République de Biélorussie. Chaque année, à l'heure de l'écofest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs propres yeux la réalisation de tout ce qui s'y passe. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau ici est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation UST à Sharjah, aux Émirats arabes unis. Le centre d'innovation UST de Sharjah est un groupe de recherche et de développement et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos que vous voyez ici sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Le transport aux Émirats arabes unis sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Regardez comment c'est magnifique. Dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera naturellement dans le paysage terrestre et ne nous surprendra plus du tout, comme le fait aujourd'hui le métro ou le tram. Ils ne nous surprennent plus du tout. Ainsi donc, arrivé au terme donc de cette présentation de la technologie de transport à cordes, nous pouvons donc dire que le système de transport à cordes que Yusky offre est innovant. Nous avons vu les différents éléments d'innovation au-dessus du sol, sur des rails à cordes à haute résistance. Qui se déplace au-dessus du sol, on l'a vu, à haute vitesse. On a vu qu'il pouvait pousser sa vitesse jusqu'à 500 km par heure avec l'unibus à grande vitesse. D'ailleurs, la piste lourde de 500 km par heure à grande vitesse, c'est ce qu'il manque à construire actuellement pour pouvoir terminer les 15 étapes de développement du projet. Je vous invite tous à rejoindre ce projet maintenant, avant que les choses ne soient trop tard. Ce transport est sûr. On a bien vu les différents éléments de certitude et aussi le système de freinage et d'antidéraillement. Et il est efficace. Il est facilement intégrable dans la nature, on le voit. Il n'a pas besoin de détruire les faunes, la flore, et autres pour pouvoir s'intégrer dans la nature convenablement. Il est surtout écologique, puisqu'il fonctionne à base d'électricité ou de gaz respectueux de l'environnement. Alors, je vous dis merci pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous dans une semaine, lundi prochain, pour pouvoir écouter les prochaines dernières nouvelles. Nous parlerons encore de la technologie de transport à cordes, cette technologie que tout le monde attend. Ciao! Thank you.
Mm-hmm.